Radio Saint-Vincent. Radio Saint-Vincent. Purement breton. Maëlys, tu es sur le salon depuis ce matin. Comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe très bien. Beaucoup de monde, toujours beaucoup de monde, même à 16h. Et c'est pourtant très fluide. Tout le monde arrive à voir les formations qu'il veut, j'ai l'impression. Et nous, nous sommes maintenant avec l'IFAG sur le plateau. Bonjour Louise. Bonjour Madame Videlo. Vous êtes chargée de le développement au sein de l'IFAG à Rennes. Quels sont les différents parcours au sein de votre école ? Bonjour. Alors l'IFAG est une école d'entrepreneuriat et de management. Et à la rentrée de septembre prochain, nous allons proposer différents diplômes, donc du BTS jusqu'au Bac plus 5, orienté commerce et RH. Et quels sont les critères d'admission ? Alors, pour les deux BTS, on est sur deux BTS en alternance avec admission via Parcoursup. Donc voilà, j'invite déjà d'ores à présent tous les apprenants à se connecter à partir de mercredi de la semaine prochaine sur la plateforme Parcoursup pour découvrir les deux BTS proposés à l'IFAG, le BTS GPME, gestion petite et moyenne entreprise. Donc voilà, orienté pour un parcours plutôt RH à l'issue de cette formation. Et sinon, le BTS CCST, donc qui est orienté commerce professionnel et de solutions techniques, donc plutôt du B2B. Donc voilà, ces deux offres seront disponibles sur Parcoursup pour l'IFAG de Rennes à partir de mercredi de la semaine prochaine. Et concernant après nos formations du Bac plus 3 au Bac plus 5, on est sur un concours d'entrée en différentes étapes, donc de l'écrit et de l'oral. Et quelle est la reconnaissance de l'école ? Alors, tous nos diplômes sont certifiés, donc sont reconnus par des titres RNCP au ministère du Travail. Les BTS sont, quant à eux, reconnus par l'Éducation nationale. Vos enseignants sont-ils des intervenants du monde professionnel ? Oui, tous nos intervenants sont des professionnels en entreprise, donc des dirigeants ou des cadres supérieurs du monde de l'entreprise. Et à la sortie de l'école, quel est le diplôme obtenu ? Alors, on va avoir trois diplômes, donc tout dépend du niveau de formation, mais les apprenants donc, sortent à partir du BTS avec un diplôme niveau Bac plus 2. S'ils choisissent d'intégrer uniquement notre troisième année de bachelor, ils auront un niveau Bac plus 3. Et enfin, à l'issue du master, ils auront un niveau Bac plus 5. Est-ce que votre école propose une alternance ou des stages rémunérés ? Oui, alors on est sur 100% en alternance, donc du BTS jusqu'au Bac plus 5, les apprenants peuvent suivre une formation de 5 ans en alternance. Et alors, quelle est la semaine type d'un de vos élèves ? Quelle est la régularité de l'alternance ? Alors, on est sur un rythme de 2 jours, 3 jours. Donc, par exemple, les BTS et les Bac plus 3 vont être sur un rythme lundi et mardi à l'école, mercredi, jeudi et vendredi en entreprise. Et à l'inverse, les Master 1 et les Master 2 seront en entreprise le lundi, mardi, mercredi et à l'école le jeudi et le vendredi. Donc ce rythme va permettre à nos apprenants d'être toutes les semaines en entreprise et de gagner très vite en autonomie et en maturité donc sur des dossiers parce qu'ils vont suivre leurs dossiers toutes les semaines en entreprise. Et quelle est la date de vos portes ouvertes et comment peut-on vous contacter ? Alors la prochaine porte ouverte a lieu donc samedi prochain de 10h à 15h sur l'IFAG Rennes. Vous pouvez retrouver directement toutes les informations pour vous inscrire sur cette porte ouverte, donc sur notre site internet, sur notre compte Instagram. Également, nous faisons une réunion d'information pour les parents le mercredi 18 janvier prochain, orienté Parcoursup. Et on sera en porte ouverte aussi le 4 février prochain. Vous aurez toutes les dates directement sur notre site internet. Eh bien, merci Madame Videlo, qui, je le rappelle, est chargée de développement au sein de l'IFAG à Rennes. Merci à vous. Merci beaucoup. Et donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'IFAG. Merci. Oui, merci beaucoup et merci à toute l'équipe qui est présente sur le salon depuis ce matin et ici au studio. Nous, on enchaîne tout de suite avec une nouvelle invitée.